Située en plein cœur du plateau, commune des affaires de Dakar, la Ligue islamique mondiale de l'Afrique de l'Ouest a reçu ce samedi la délégation ivoirienne. Les échanges ont porté sur les possibilités de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation des jeunes et de l'encadrement de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous savons que la Ligue mondiale islamique a un rôle très important dans le monde en ce qui concerne le dialogue interreligieux, en ce qui concerne l'amour, la fraternité entre les hommes. Nous avons demandé à M. le directeur régional de transmettre nos salutations à son Excellence le secrétaire général de la Ligue mondiale. Et nous avons aussi exprimé le désir qu'il y ait en tout cas une bonne collaboration entre nous afin de soutenir les efforts du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques entend apporter sa contribution dans le maintien de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Ligue islamique mondiale s'engage à apporter son expérience en la matière. الشيخ عيسى المجلس الأعلى للأئمة في ساحل العاج كوت ديفوار. Nous sommes discutés sur les plusieurs points sur le projet du Conseil suprême de Côte d'Ivoire et le président du Conseil a exprimé ses remerciements au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et ses efforts qu'il déploie dans le monde entier pour l'entente et le dialogue entre les musulmans et il suit de près ses activités du secrétaire général partout dans le monde et il s'en remercie, Inch'Allah. Et à ma part, Inch'Allah, je transmettrai ces remerciements, Inch'Allah, au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. La Ligue islamique mondiale est une ONG musulmane fondée en 1962 à la Mecque. Elle bénéficie du statut d'observateur à l'ONU.